الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui peut donner l'occasion pour encore une fois nous joindre pour nous apprendre ensemble, pour nous préparer sa grande ribadat qui peut venir vers nous là, qui gagne la chance, c'est vraiment une grande opportunité. Pour la suite, nous remercions toute votre présence aujourd'hui. Et aussi, nous remercions Frère Ali Swawan qui fait qu'adresse nous quelques paroles. Et pour rappel, Frère Ali Swawan, lui-même Amir Majid Sashura, et lui-même responsable ici dans Masjid Doha. Et nous remercions lui pour lui donner nous à lui mettre sa place là à disposition pour qu'il nous fasse sa koufou machoura. Donc dans quelques 15 à 20 minutes, ce que nous guettons maintenant, c'est un petit peu l'aspect préparation au niveau IT, au niveau mobile, etc. À n'importe quel moment, si vous avez une question, pas hésiter à vous demander. Et nous pouvons certains grands points aujourd'hui. Comme mon frère Zoubé, tu peux dire, nous essayons Chrome un peu, tout ça va session que tu là, pour nous passer, nous compresser un peu. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il nous fait, nous passons sur ces trois premiers là, qui sont des outils et équipements qui nous servent là-bas en termes IT, en termes portables, etc. Technologie, et ainsi de suite. Et en deuxième lieu, quelques guidelines et tips qui, depuis à ce temps-là, vous êtes capables de commencer à prendre compte. Quelques applications que vous êtes capables de downloader et comment servir. Et après, dans une deuxième session, nous vous passons quelques applications, nous vous donnons une application à STLA, mais là, nous allons faire une démo la prochaine fois. Donc, comment vous êtes capable de retrouver n'importe quoi que ça vous était dans Makkah ou bien dans Madina, vous êtes capable de circuler, vous êtes capable de finir le haram côté, vous êtes l'hôtel côté, etc. Quand vous êtes jeune, vous êtes déjà connu ça très bien, et quand vous êtes moins jeune, donc ça carrément est vous tapez, vous commencez à habiter vous avec cette application. Nous pouvons aussi passer à une application qui pour permettre pour booker un taxi quand vous êtes dans l'Arabie. Donc ça, c'est une pratique si jamais vous avez envie, par exemple, à faire un deuxième Umra, ou bien vous avez envie d'aller dans l'abattoir, à faire un zaba pour vous-même, un sadaqa. Donc vous êtes capable pour vous-même, vous bookez un taxi, vous avez une place, vous allez. Donc ça, nous pouvons couvrir la prochaine session, Inch'Allah. Et comment vous trouvez en bas, il y a un. Quand nous écoutons Khutba, nous sommes en arabe, mais il y a une façon que nous avons cette traduction live and direct. Pour aujourd'hui, quelques outils et équipements qui sont importants. Donc, première affaire, nous portables, qui ont dit, et nous tout qui là, nous extra-dépendants là. Nous dépendants là, tous nos bonnes affaires, nos portables, nos téléphones, etc. Dans la grande ribadat là, dans le Hajj, nous portables, nous avons besoin d'un compagnon qui pour aider nous dans sa ribadat là, et il n'est pas pour comment dire, venir au détriment de ribadat là. Qui nous veut dire pour ça, les temps de parler là-bas, Inch'Allah, je peux trouver qu'il y a beaucoup de monde, les temps qu'il peut faire tawaf, il peut mettre un selfie, comment dire, entre les Kaaba là. Il peut montrer live sur une famille, qu'il peut faire tawaf là. Alors, ce qui dans sa lire qui peut faire tawaf là, nous avons le droit de causer, oui. Ce n'est pas comme un amas, nous avons le droit de causer. Nous avons le droit de causer. Mais seulement dans sa lire qui peut faire tawaf là, c'est une autre chose qui nous peut rouler là. Ce n'est pas communication avec nous, en famille, ce n'est pas montrer aux autres, voilà, je peux faire les tout cas. Ben non. Ça, si nous avons envie de faire Maurice, nous montrer aux autres, nous n'arrivons que dedans, nous montrer aux autres, nous la mer, ça nous fait aller. Mais dans sa place qui nous peut aller là, nous pouvons taper. Nous besoin qu'on servir. Est-ce que vous trouvez beaucoup de monde là-bas, ils peuvent faire ça en action là. Si nous ne finissons pas avoir, nous avons envie de montrer à notre famille, c'est un autre côté. Je crois qu'il n'y a aucun problème là-dedans. Mais quand nous pouvons faire un ribadat, concentrer dans nos ribadat. Et donc, ça portable là, il besoin de moyens qui aident nous dans ce que nous allons accomplir. Tout d'abord, les temps de 30 l'Arabie, première quitteuse, premier conseil, c'est prends un sim dans l'aéroport même, si possible.
dans la mesure du possible, fini pour un SIM dans AirPod. Nous pouvons passer au Détroit, voilà, justement. Donc, il y a Détroit compagnies dans l'Arabie qui sont bien reconnues, qui se trouvent sur le ban échop partout, près de Haram, tout ça. Donc, il y a Zain, où il y a VRV là, et il y a Mobile, où il y a Bleu là, et il y a l'autre STC, ça, les Saudi Telecom même, donc, VLA et Bleu là, je vous trouve plus apparent, les plus widespread. Donc, vous êtes capable de prendre l'airport dans sa SIM là, fini de faire maintenant, mettre les autres portables, et là, je vous trouve que parfois, dans nos portables, mais besoin d'un pin que nous tirons sa SIM là, tout là. Si vous êtes capable d'amener sa pin là, vous êtes amené. Vous comme ça, dans l'airport même, si vous avez gagné l'occasion, vous êtes fini pour un SIM là. Ensuite, quand nous avons servi portable, nous connaissons que la batterie est finie. Nous avons besoin d'un charger. Et là, si nous sommes capables d'amener un charger, tout cas, des trois modèles, comment dire, un câble là, amener avec eux. Nous ne connaissons pas nous avons un USB, parfois dans le bus, c'est un USB, dans l'avion, c'est un USB. Tant que nous sommes capables, mettre nous portable au charge. Toute l'occasion que nous avons, mettre nous portable au charge. Toujours quand nous avons mettre portable au charge, c'est parce qu'il nous a servi sa portable là. Pour qu'il y accompagne nous dans sa ibadat là. Nous avons servi pour table là pour qu'il nous guette quelque chose de WhatsApp. Ça l'est là, WhatsApp, bien mute partout là. Pendant qu'il nous dans l'Arabie, pendant qu'il nous peut concentrer dans l'ibadat, WhatsApp là vient seconder et éternel. Donc nous avons dit, mettre SIM tout ça là, juste pour qu'on nous capable, guette une vidéo, une dernière chose qui peut arriver, Maurice, manifestation, tout ça là, nous mettons de côté là. Nous l'esprit dans l'autre quelque chose. Nous l'esprit dans l'akhirat. Bien sûr, quand nous avons envie de causer avec nous, une famille, tout ça là, nous causer. Parce que dans un social being, nous business à l'encadrement de notre famille, là, ça n'a aucun problème. Mais pas les portables déconcentrer nous depuis l'ibadat. Donc, charger, important. Power bank, important. Si maintenant nos batteries presque finies et nous n'avons aucune place pour charge, nous avons un power bank en nous, au moins nous sommes capables de signer un peu. Et tout ça là, qui fait nous mettre des autres portables, plus tard nous pouvons guetter, portables nous pouvons servir pour une application qui peut nous dans l'ibadat. Par exemple, quand nous pouvons dans Makka, nous avons un target qui nous mettait tous les jours et dans certaines ibadat qui m'ont envie de faire. Par exemple, Tawaf. Tawaf c'est un ibadat qui existe là-bas, existe dans Makka, même pas dans Madina nous pouvons faire, existe dans Makka qui nous pouvons faire. Et ça, pendant les temps qui nous boulent là, un tigine à Bohaj, il est devenu extra difficile pour nous faire tawaf. Donc, depuis le premier jour qui nous a allé, nous visons maximiser le tawaf. De ce fait, pour ça, un exemple, il y a les autres ibadat encore, par exemple, faire un namaz dans Masjid Haram, les plus que 100 000 fois, il vaut 100 000 un namaz en dehors Masjid Haram. Donc, quand nous allons là-bas, nous visons profiter faire maximum tawaf. Maximum, namaz, sunnat, nafil, dans Masjid Haram. Nous avons un daily target. Comment nous traquons ce daily target là? Nous avons servi nos portables pour faire ça. Quand nous sommes là-bas, il y a des gens qui disent que nous avons besoin de lire un peu le Coran. Ils poussent à lire quand ils arrivent. Quand ils sont là, juste dans ces 5 jours de Hajj là, je peux faire un khatam Coran. Tu peux compléter un Coran. Donc, comment nous faire pour nous keep track quand nous arrivons dans le Coran? Si jamais nous avons envie de faire ça, nous guetter comment nous rentrons là-bas, les temps nous arrivons dans la masjid, nous pouvons commencer à Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Alif Lamim, nous pouvons aller. Comment nous connaissons quand nous arrivons? Les temps nous prenons le Coran là-bas, nous mettons un remorque, l'autre coup de nous aller, nous prenons le même Coran, pas qu'on aime si nous avons la même place. Nous servons nos portables, nous mettons bookmark là, l'autre application qui est dans nos portables là. Ça demande l'exemple que nous avons servi pour table pour aider nous dans sa ibadat qui nous permet faire là. Donc, c'est un peu que je peux trouver une BTV, j'ai besoin de finir pour un SIM, j'ai fini pour un charger, tout ça m'a fait là, depuis l'airport même, j'ai besoin de finir, etc. Donc, l'autre petite chose, les temps dans l'Arabie là-bas, un plug qui est là dans l'hôtel, il n'est pas pareil, comment ça m'a un plug, comment j'ai qu'il est là. Si nous amène un charger, capable de rentrer. Si nous amène un petit boulot électrique, qu'il ne fallait pas rentrer là-bas. Donc, amène un petit adapté aux autres. Si je ne l'oublie, il n'est pas grave, il vendait beaucoup de place dans ma carte, dans mon petit magasin à vendre.
Mais sinon, je design à l'île Maurice, amène un petit adapteur que tu connais, le multiplug, des rentes un peu partout, je le mets là-bas. Maintenant, dans l'hôtel que je peux être, capable de prendre l'hôtel que tu peux dans, c'est pas 3 Jimoun ensemble aux autres, ou bien 2 Jimoun autres ensemble aux autres. Qui veut dire, un plug qui peut être là-bas, besoin d'une extension pour en tout cas servir pendant la guerre. Donc, prévoir ça, je design à l'île quelque part, amène-le. Sinon, là-bas, si je suis capable de faire ça, je les boules un peu partout. Earphone, donc ça c'est pareil. Je peux aller dans bus, nous descendons depuis dans l'airport, nous restons dans bus. Là, nous poussons au team à Jeddah, nous voyons le Makkah. Tout à l'heure, frère Zoubet, vous donnez un APSU, comment dire, journey là, comment vous êtes depuis aujourd'hui, jusqu'à rentrer dans bus, tout ça là. Mais là, prends ce que nous pouvons dire là, tout à l'heure, je vais mettre dans le pays où ça est bien situé. Je peux aller dans bus, je peux pas dormir, bien bon. Et dans le monde, il n'y a pas qu'à dormir, ou bien il finit, fait qu'il finit dormir, vous êtes capable de faire une lecture. Fini dans l'autre bande de lecture, les autres courants, les autres portables, vous êtes capable d'écouter. Maintenant, je prends une SIM et je finis par un paquet Internet, vous êtes capable de mettre YouTube, vous êtes écouté. Alors, je ne vais pas mettre ça faux pour tout le monde peut attendre, je t'amène sur le téléphone tranquille, je plug là-dedans, vous êtes écouté. Aussi, ça va une leçon qui nous peut faire aujourd'hui là. Donc ça va une session qui nous peut faire dans le samedi là. Libre available low YouTube. Qui veut dire quand je mets le téléphone, je rentre low YouTube, j'ai envie de faire une révision, mais là nous pouvons telle place, nous pouvons rentrer dans ma cas. Qui quitte chose nous besoin faire quand on arrive dans ma cas? Je rentre low YouTube, je rentre low channel là. Ou bien il y a les autres applications encore qui donnent une explication chaque étape par étape. Je gagne une révision. Donc c'est même le téléphone là-bas. Je vais trouver ça un exemple pour moi, un plug là était là-bas. Il va parler comment un plug Maurice. Donc c'est un petit adapteur qui vous invite. Et là, quelques guidelines. Donc première affaire, amène votre code, la banque, qui vous mettez dans le thème là, debit code, amène-le avec vous. En plus, qui casse qui vous amène cash. Devise, hein, pas même une roupie. Il y a des gens qui désarment une roupie pour aller rechanger là-bas. Et ils disent, nous, personne ne va reprendre un casse là. Il n'y a pas de café, non, c'est retourné Maurice. Roupie, pas changer là-bas. Hein. Ah, ils vont nous faire ressortir. Amène euro, de l'or. Il y a les autres devises, livre sterling. Ça m'a une devise facile changer. Mais roupie, définitivement non. Amène les autres devises. Au-delà de devises, amène votre code la banque avec vous. Comme ça, si jamais vous avez besoin de casse de ATM, c'est facile de faire. Je suis à cause de là, donc quand vous avez casse de ATM et une fille à payer, si vous avez un point of sale, un supermarché, par exemple, que Maurice est là, vous passez votre code, ça n'a pas aucune fille additionnelle qu'ils ont besoin de payer. Maintenant, vous avez besoin d'informer la banque de ATM la même. Soit je t'ai donné la banque, n'importe qui succursale qui se trouvé, rentre là-bas, dis maintenant qu'ils peuvent voyager. Ou bien téléphone maintenant, ou bien envoyer un mail. Faire connaître que je vais voyager telle date à telle date, pas besoin de mettre date exacte, mais un petit peu avant, un petit peu après tout. Right? Pendant cette période-là, nous pouvons voyager, nous pouvons partir à l'Arabie Saoudite, Dubaï, etc., dans une région-là, et nous pouvons servir mon code, crédit et débit. Dans un bon endroit là. Fini informe la banque, c'était la même. Comme ça, la banque, il connaît, il n'y a aucune transaction qui. Si je dis la banque, un jour, il trouvait un jour, ce code crédit peut servir dans Sud-Afrique. Il a bloqué parce qu'il y a une affaire normale. Il n'est pas habitué ça. Il n'a pas habitué. Il y a une affaire normale, il bloque. Mais si ça allait dans l'Arabie, la banque détectait un pattern qui est anormal, il bloque nos codes crédit. Donc, après, non, hein. Donc, fini informe la banque, depuis c'était la même. L'autre point, un petit guideline, c'est que tout bon document que vous avez là, passeport, code vaccin, et ticket, tout ça là, tiens une photo ou bien prendre une scan copie, mettez-le online pour là. Le Google Drive ou bien le OneDrive, mettez-le online. Ou bien envoyez-le un mail. Si c'est plus facile comme ça, mettez-le dans un mail, envoyez-le même mail là. Comme ça, avec votre portable, si vous amenez un n'importe quel problème, vous pouvez facilement regagner ce document-là. Également, si vous mettez votre portable,
je te mets si jamais arrive à une place mais je peux besoin de documents passeport il part avec eux je te casse les portables il passe. L'autre point important nous parle dans un grand ribadat qui est un grand zou là-dedans et ça zou là c'est cinq zou que nous prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qualifié de hajj zou de Arafat. Toute nouvelle préparation est centrée autour maximale de sa zou de Arafat là. Quand nous parlons là-bas, si nous ne préparons pas une analyse d'oie, à ce temps nous parlons imaginer qu'il doit faire, nous ne finissons pas à dire. Beaucoup sont nous pratés. La liste d'oie là, elle commence depuis à ce temps là-même. Quand nous donnons un cornet, nous commençons à noter, nous commençons à classifier les, nous besoin faire d'oie pour mon maman, papa, ma famille, faire d'oie pour mes enfants, faire d'oie pour l'éducation islamique, faire d'oie pour l'akhirat, jannat, l'enfer, kabbal, faire d'oie pour Zoukriya, ma vie facile, classifier les comme ça. Maintenant, toute sa classification que je viens de faire là, notre bande d'oie spécifique. Je vais avoir une famille, une famille peut venir avec eux. Je n'ai pas oublié de faire d'oie pour moi. Hein? Vous allez, oui, c'est moi ou pas notre lit. Quand on parle là-bas, on parle imaginer qui s'en a qui nous a fait d'oie. Pas pour connaître. Notre djimoun là, ce nom. Mais de l'un côté, donc on est là, ça va un djimoun qui nous a fait droit. Quand nous disons oui, nous faisons droit, les temps arrivent là pour prendre un djimoun là, prendre nous faire droit pour eux. Si nous oublions, nous faisons droit général aussi. Mais prendre un god ça qu'on est là. Maintenant qu'on est là, il a perdu. À cause de ça, nous pouvons dire, tout ça va un droit qu'ils ont gagné là, tiens une photo, ça qu'ils ont fait, ils ont dit, ils ont envie d'être dans la case. J'ai envie de gagner une bonne place dans l'akhirat. J'ai envie de gagner dans tout le fil d'os ensemble au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Note tout ça là. Tiens une photo ou bien note le computer, hein, le Word. Prends ce document là, mets ça au Google Drive, mets ça aux autres portables. De sorte que quand on arrive là pour bien lire, si comment dire, quand on est mouillé dans l'appli, si quand on est perdu, oublié dans un sac dans l'hôtel, il y a une autre façon pour retrouver mon bandeau. Il ne faut pas perdre à l'air là. Right. C'est à qui de quelque chose qu'à l'air. Pas hésiter. Right. Là, c'est une application qui est bien. Commence dans l'œil. Je cave, tiens une photo. Sinon, frère Zakaria, pas vous êtes ça en PDF. Route ça, une application là. Dans le lit de Biastella. Donc, nous avons un overview. Et là, nous séchons pour ça aller pour terminer. Google Maps, je tout connu. Qu'est-ce que c'est que Google Maps ça? Je tout connu. Ça lui permet nous pour nous situer nous. Comment nous rentrons dans l'hôtel? Nous gagnons un coup de Google Maps que l'hôtel a été. Prends ce location, envoie-lui une famille. Et ça nous sert WhatsApp. Nous sommes location, le WhatsApp. C'est une petite deuxième session, Inch'Allah, nous pouvons faire ça. Cette application appelle Tasbih. Et nous avons les autres applications encore, pas nécessairement le WhatsApp qui est bleu là. Hein? L'idée c'est qui? J'ai besoin d'une application que je peux capable, qui peut aider pour faire ta spie, pour comment dire, je peux faire ta waf. Je vais connaître qui numéro qui ta waf pour l'avoir. Troisième, quatrième là. Donc comment j'ai fini, arrive que Hajj al-Aswad, j'ai fini déjà Bismillah Allahu Akbar, net je te mets dit au système, je te mets dit au ta spie, un nouveau mini. Il y a beaucoup de clients qui ont envie de connaître comment on arrive. Parce que moi, concentrer le comme tout, moi, je vais concentrer le doigt, etc. Je vais oublier. De la même façon, il y a beaucoup de si je vais faire sa femme à loi, etc., moi, je vais servir, je vais aider moi. Maintenant, Sikana, ça, c'est une application qui donne nous une étape par étape et un rythme. Il y a en anglais et en arabe. Donc, ça, c'est tout capable dans le lit. Il y a une autre application qui s'appelle Hajj Facile. Mais là, je ne peux encore update pour cette fois-là. Ça ici, quand il finit l'update, je suis dans le lit et il y a beaucoup moins d'explications en créole. Là. Une application salat, donc important, c'est une application qui les vous donne une amas dépendant de la place qu'ils ont été. Dépendant, si on arrive dans Dubaï, ils ont vu qu'on a une amas, ils ont ouvert cette application-là, ils vous finissent par un lit d'après location qu'ils ont été. Comme moi, je peux être à cas. Même si, comme je dis, on arrive à une place, je vais faire transit, etc. Je te connais, n'importe quel moment, je te trouve par application là, je finis de connaître qu'il y a un namaz. Et l'Arabie, ce qui est intéressant, les namazas rentrés,
simple à s'en donner. Mais nous finis qu'un plan, mais qu'il y a un amas d'ouhar pour être là, qu'il y a un sar pour être, si nous avons dormi, si nous avons nous finis qu'un lit d'application même. Une application tribla, sans penser surtout des uns en lien, je te reconnais. Quran, comme je disais, c'est une application Quran qui est comme les autres bookmarks directement là, la plupart comme ça aujourd'hui. Comme ça, quand vous pouvez lire, vous pouvez prendre Quran là, vous pouvez lire, mais le Quran partout, partout là-bas. Quand vous finissez votre garde pour un an, vous avez un coup de côté d'arrivée, vous mettez vos applications. Vous avez la même page, même ayat, vous finissez un bookmark. Donc voilà, nous terminons par là. Pour cette session aujourd'hui, là. Les autres applications, là, la semaine prochaine ou semaine après, quand nous vous retraitez la deuxième session, nous prendrons en plus de détails. Là. Est-ce qu'il y en a qui te questionnent?